Non. Salut tout le monde, c'est Jablo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Alors on revient de la bourse aux reptiles d'Arras et encore une fois, en fait on a craqué. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors voilà ce qu'on a acheté. On a acheté 3 pogona viticeps. Ils ont quoi? Ils ont 2 mois. Donc on en a un là-bas, celui qui est là-bas en fait. C'est un Hippo White. Là, on a un Hippo Tricot tricolore. Et là, le troisième qu'on voit ici, c'est encore un Red. Donc, on a voulu en reprendre en fait pour Lily, pour qu'elle se sente moins seule. En fait, on a craqué dessus. On a vraiment craqué dessus. Qu'ils sont vraiment trop mignons. Et en plus, en les prenant tout petits, comme ça, tout bébé, ça leur permettra en fait de pouvoir s'adapter à nous et nous de s'adapter à eux et de voir en fonction de leur caractère aussi le caractère qu'ils ont ou quoi, de pouvoir mieux gérer en fait. Donc là pour l'instant, hein, bien sûr, le terrarium, c'est un petit terrarium, toujours le terrarium qui s'ouvre par au-dessus en fait, mais c'est vraiment hein, le terrarium de dépannage, on va dire. C'est vraiment un petit terrarium de dépannage. Ensuite, on a aussi acheté 25 petites gélules, comme ceci en fait, pour pouvoir les donner en fait au gecko de géant de Madagascar et puis à notre gecko à Crète. Il raffole de ça. Et on a fait aussi une superbe rencontre en allant à la bourse aux reptiles. On a rencontré le youtubeur Eblefaris. Donc je vais vous mettre une photo en fait pour vous prouver que on l'a bien rencontré, excusez-moi. Je bégaye. Pour vous prouver qu'on l'a bien rencontré. Voilà. Donc et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao, à la semaine prochaine!